La partie 2 de Tattletail. Moi je viens tout juste de vous quitter, mais peut-être que ce n'est pas votre cas parce que vous n'êtes pas fou. Normalement vous enchaînez pas les vidéos comme ça parce que ça dénote d'un certain problème psychologique. Après vous faites ce que vous voulez. En tout cas on est parti, on entame la prochaine nuit. Let's go! 23 décembre 1998, 2 jours avant Noël. Il faut mener une enquête parce qu'apparemment ça fait du bruit à l'extérieur de ma chambre. Ah oui, couillon là, il est où? Et moi, je te déteste! La porte d'entrée est ouverte. Ah, ça, c'est une excellente nouvelle. C'est merveilleux. On sort tout seul, dans le jardin, en pleine nuit, pour chercher une peluche qui parle et qui veut voler mon âme. Elles sont deux. Ok, je me casse. Je m'en vais. J'ai mené mon enquête. Elles sont deux. Voilà, ça parle tout seul dans le dehors. Je ne reviens plus. Ferme la porte, ferme la porte. Non! Ce serait trop beau, mais on ne peut pas faire ça. Je suppose qu'il va falloir y aller, prendre Tattletail. Lequel? D'où il pop, lui? Lui, là, il vient d'où? Oui, tu fais du bruit. Oui, c'est bien, tu viens, oui. Je vais devoir jouer à cache-cache et attoucher son ami pour commencer le jeu. Non, c'est pas exactement ce que vous avez compris, mais presque. Je ne trépigne pas particulièrement d'impatience à l'idée de jouer à cache-cache avec des jouets. Ok, on y va. Je nage en pleine confusion, j'ai peur. Il faut que je survive 30 secondes pendant que ses amis se cachent. Je comprends pas. Il faut que je survive à quoi? Il fait du bruit ce couillon. Il fait du bruit ce petit con. Arrête de faire du bruit. Oh non, il a faim. Regardez, il va avoir faim. Et s'il a faim, il va gueuler. J'ai pas peur. J'ai peur de personne. Personne ne m'effraie. Oh putain, il fait du bruit. Non. No noise. Ah, c'est parce qu'il a peur du noir, du coup il panique, du coup il fait du bruit, du coup il nous fait chier. Là, on va aller dans le salon parce que il va avoir envie qu'on lui brosse sa putain de chevelure. Oh, il est là. Oh, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Ok. Il faut que je trouve une deuxième fois. Il est sérieux. Il est où? Oh non, il a faim. Oh, il va avoir faim. Il va faire du bruit. Il va avoir faim. Oui, ça va. Maintenant, il va avoir besoin qu'on lui recharge sa batterie. Il est où? Où es-tu, jeune farfelu? Je t'entends, mais je ne te vois pas. Dans le lit pour bébé hyper creepy? Non. Oh putain, il veut qu'on le brosse maintenant! J'ai pas le temps de te brosser, mec! Oh là là, on va se faire choper, par le gros là. En plus, la brosse, elle est dans le salon. Oui, on va brocher comme tu veux, hein. Il est là! Ah! Mais Claude, t'es un enfant intelligent, pourquoi tu prends pas la brosse avec toi? Là, je suis particulièrement vénère. Je l'entends, je le vois pas, c'est insupportable. Me hiding. Parle-moi encore, machin, s'il te plaît, parle-moi. Fais une petite phrase mignonne de type... Ah là là, comme ça, par exemple. Oh, mais je sais pas où il est, hein. I don't think. Maman, c'est toi qui joues avec mon Furby? Coquinette. Il n'est pas fait pour ce genre d'utilisation, maman. Non. Oh, il est dans ma chambre. Ça y est, il est là. Oh, soulagement. Oh, il se passe des choses bizarres, ça pue du cul. Non, pitié. Pitié, me faites pas de mal, gentille petite loupiarie. Ok, c'est bon. Tu vas te taire, oui. J'en peux plus de t'entendre, j'en ai marre, j'ai envie de te casser la gueule. S'il te plaît, dis-moi que c'est terminé. Qu'est-ce que c'est que ça? S'emparer de la VHS. Oh, la VHS, moule. Et oui, il y a des VHS en 98. On va se faire une petite séance de télévision. On va se faire un petit film. Allez. Mama's coming. Je crois que c'est mon âme qui vient de s'envoler. La veille de Noël. Wake up, wake up, wake up. Ça va, j'arrive. Wake up, wake up, wake up. Il faut apporter le Tattletail to the basement. Sauf que jusqu'à preuve du contraire, t'es parfaitement capable de te débrouiller tout seul pour avancer. Alors pourquoi tu peux pas? Ah mais la réponse est très simple, c'est que c'est fermé. Maman, 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 viens m'aider. Il y a des peluches tueuses qui désirent ma mort. Ok. Ça provient de la chambre de ma mère. Bah on s'amuse bien là-dedans, hein? On va passer par la porte d'entrée. Et oui, apparemment on a un chien, hein. Ok. C'est bon, stop les bruits. Oui. Oh, magnifique. On va pouvoir passer par l'extérieur pour entrer. Ah là 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 là, j'aime pas ça. J'aime pas ça. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que je la... Pourquoi? C'est une réunion. Une réunion de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Tu veux rejoindre tes potes, c'est ça? Ok. Bah, amusez-vous bien tous les trois. Non! Qu'est-ce qui... Non! J'ai fait une bonne action, je les ai réunis! Ou alors, je viens d'accomplir la prophétie qui leur permet de revenir sur Terre pour nous anéantir. Je suis bien consciente que ça, c'était pas la bonne chose à faire, mais au moins c'est le silence. On n'a plus de... Bla 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 bla. Oh, je veux être ton ami, je vais jouer avec toi, je t'aime! Oh! Oh, merveilleux, on en a un quatrième. Je suppose qu'il va falloir le ramener avec les autres. Charmant, jolie petite réunion de famille. Nous allons vous massacrer. Je n'en doute pas. Ils sont 4. 4. Ah, mais ils vont être 5. 5. Oh, il est au taquet. Oh, il est grave au taquet, il est au taquet. Il fait beaucoup de bruit, oh mon Dieu. Il va nous faire repérer. Tais-toi, 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 tais-toi. Non. Il va falloir faire diversion. Prends-le à ma place. Je te déteste tellement, petite Furby. Je crois que de tous les Furby, c'est toi que je déteste le plus. Ah oui. Voilà. Bravo. Voilà, vous êtes tous réunis. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Oh. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ma demi-seconde d'absence, là? Il se... Hein? Il y a un truc pas net qui est en train de se tramer. Mais qu'est-ce que tu fais, Baptiste? T'es pas très net, hein? Si, je suis très net. On va placer les bougies comme demandé. Et là, je sens qu'il va nous arriver une couille. Ouh, c'est amusant. Oh, regardez ses yeux. Elle part carrément dans le blanc. Il faut exorciser ces choses, j'ai peur. What? Survivre au rituel. Non, non, j'ai pas signé pour ça. Qu'est-ce qui va se passer? Non, Mama a volé les bougies. Il faut les trouver. Ah, dans le noir. Ok, on va faire ça tranquillou. Oh, Mama! Je vais chercher les bougies. N'ayez crainte, petit Furby. Je crois que les Furby là, les machins, les trucs. Oh putain. Je crois qu'ils sont pas méchants. Je crois qu'ils veulent se débarrasser de ce machin avec un rituel magique dont ils ont le secret. Donc on va les aider. Ils sont gentils, même s'ils sont bizarres. C'est comme moi, je suis gentille, même si je suis bizarre. Demain matin, mes parents, ils vont me retrouver mort, je vous dis-je. Ok, écoutez, on va se calmer 5 minutes, s'il vous plaît. On va se mettre tranquille ici en PLS. Bah, je veux dire, bon. En position latérale de sécurité. S'il vous plaît, la position oignon, je répète, c'est la position oignon. La position que vous connaissez tous, la position que l'on fait le soir, la nuit, quand on a peur. C'est la position putain, sa maman. J'essaie de jouer stratégique, c'est tout noir. Je peux pas jouer plus stratégique que là, hein. Vous pouvez pas m'aider, vous? Non. Bah non. Aïe, il reste encore 4. Ok, 2, plus que 3 bougies. Ouh. Pour rien. Non, maman, non. Je la mets en colère, là, elle aime pas trop quand je secoue les maracas, là. Arrête de m'importuner! Allumez les bougies. Ouais. Brûlez! Votre tâche, observez la cérémonie. J'ai peur, je le sens très mal. Oh là! Bannir Mama, détruire la cassette. Vous pouvez me faire confiance, étrange petite créature venue de l'espace. Je vais détruire cette cassette une bonne fois pour toutes. Ah 5 décembre, le jour de Noël. C'est censé être joyeux, pourquoi j'entends une musique angoissante? Ah non, ouvrir ton cadeau! Bon, je sais ce que c'est. Tiens, d'ailleurs, c'est la première fois qu'on voit la maison en pleine journée. C'est quand même plus rassurant, j'aime bien. Et je n'ai toujours pas de maman. Maman, je commence à ouvrir mes cadeaux sans toi. Oh, oh là là, je me demande ce que c'est. Surprise! Pourquoi la musique angoissante revient-elle? Qu'est-ce qui se passe? Oh! Mon cadeau! Ah! On n'a pas le droit de terminer un jeu sur un screamer! Vous devriez avoir honte, développeur! Bah je l'ai fini en entier, donc j'aurais jamais cru qu'avoir la foi de le faire en une fois. En tout cas, si vous avez apprécié la vidéo, surtout n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine vidéo, à toutes et à tous, je vous fais de gros bisous. Bye bye.